Parfois, ce qu'on considère comme une mauvaise fin peut aussi être un nouveau départ. Bienvenue dans Auto Sale Life, une simulation palpitante de ventes automobiles en monde ouvert dans laquelle je vais incarner un personnage qui, après s'être fait arnaquer par ses anciens associés, sort de prison et décide de se venger en reconstruisant son empire. Je vais donc redevenir simple vendeur de voitures et tenter de reprendre mon trône de mania de l'automobile. Achat, réparation, amélioration et revente des voitures, je vais explorer avec toi toutes les mécaniques du gameplay dans ce monde ouvert rempli d'opportunités. Nous allons construire ensemble des showrooms impressionnants, embaucher du personnel et maximiser nos profits. Chaque décision compte. Alors prends les clés de ta propre réussite et montre au monde ce que tu vaux. Le jeu est développé par le studio indépendant Auto Games situé à Ankara en Turquie. Et il est édité par le studio Grab The Games situé à Olsztyn en Pologne. Es-tu prêt à relever le défi? Alors attache ta ceinture et suis-moi dans cette aventure épique. Le gameplay du jeu Auto Sale Life commence maintenant. On va donc lancer une première game. Donc là, il y a une mini cinématique de début de chargement du jeu. Eh, pas mal la voiture là. Pas mal du tout, hein. Nouvelle partie. Allez. On démarre l'aventure. Auto expertise. Ok. Donc on fait de l'expertise en rachat de voiture, j'imagine. Alors, c'est Auto Games qui développe le jeu. On a une petite intro, alors, un mariage. Il rêve, il cauchemarde. Ok, il se rappelle visiblement de son mariage. Il était dans un lit juste au début. Hein. Alors, est-ce qu'elle l'a quitté? Est-ce qu'elle n'est plus de ce monde? Peut-être un rodéo sauvage qui a mal tourné. Hein. Ça ressemble quand même à un cauchemar. Hein. Ouais, c'est du sang sur l'oreiller. Non, il doit être de couleur rouge. Ouais, c'est ça. C'était pas du sang. Bon, il est en bad, hein, total. Hein. Moi, je sens que dans l'histoire du jeu, on va apprendre que sa femme est décédée dans un tragique accident de voiture, quelque chose du genre. Alors, une belle montre. Allez, on a mis le costume, donc faut que j'aille descendre prendre le petit-déj. Je vais mettre ma meilleure montre. Et il est costaud, hein. Rien d'autre ici? Non, rien d'autre. Donc, on peut sortir. Enfin, je dis rien d'autre, attendez. Il n'y a pas d'autre tiroir qui s'ouvre. Hein. Non. Elle est pas mal, la baraque. Hein. Si c'est plein milieu de la ville, là, New York ou je ne sais où. C'est quoi ça? Hein, faut appuyer là-dessus. C'est quoi? C'est l'alarme? Ah, on peut monter. Il y a quoi là-haut? Ah oui! Ah non, mais attendez. Attendez, il a piqué un tableau dans un musée, là. Oh la dinguerie! Non mais une voiture chez lui. Elle est belle hein, la voiture. Salle de sport. Non mais c'est quoi cette folie? C'est quoi cette vie de fou? Et là regardez, il y a encore un bureau. Oh là là, observatoire et tout. Non mais là il s'est mis bien, on peut y aller. Il s'est mis très très bien le frérot. Hein. Waouh, un balcon là-haut. On peut pas courir, ok. On peut rentrer ici? Non. Incroyable, hein. C'était ça alors le bouton. Ouais, c'est ça, ok. Oh, la folie! C'est la Batcave, mais version... Ouah, salle de... Non, mais attendez, je veux l'appart, là. Est-ce qu'il est à vendre, l'appart? Il y a quoi, au fond? On peut y aller, là? Non, non, on ne peut pas. Déjà, rien que ça, le salon, là, il est chouette, hein. Bon, vu sur le parking, par contre, ça, c'est moins sympa de ce côté-là, mais incroyable, quand même. Hein. Ok. Ensuite, donc là, il y a le petit-déj, petit burger, là. Des toasts, un poulet, bah il a ce qu'il faut là, il y a quelqu'un qui cuisine pour lui, c'est pas possible. Très bien, petite pomme ou petit burger? Bien sûr, petite pomme. Petite pomme, ah on peut pas, bon bah... Oh! Miaou! Je peux te caresser toi? Non, même pas. Bon bah ce sera le burger, une pomme et un gros pain. Oh il est trop mignon ce chat là. Je peux lui sauter dessus, regardez. Non, c'est bien fait. Hein. Je peux pas. Ah si, quand même, on peut monter dessus. Ça va, il est cool. Allez, go au garage, c'est ça? Va au garage et monte dans ta voiture. J'ai déjà des chaussures, donc j'en reprends pas. Ah oui! Ah oui, il a réussi, le frérot. Il a réussi. Waouh, moto, voiture rétro. Des ailerons au mur, là. Avec des jantes. Baby,
It's cold outside. Et bah dis donc, on se met bien. Close the door, please. Alors, on ferme la porte. Appuie sur V pour utiliser la caméra intérieure. D'accord. Hello, partner. Where Hello. Are you? I'm about to leave the house. What's up? Je pars de la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je me souviens. Ouais. My wife Beth's car? Yeah, buddy. T'as trouvé la voiture de ma femme? Right now, we're waiting for you in the office. When you come in, take a look at the car and we'll take it. The D'accord. Car looks very clean. All right. I'm ok, bah c'est I'll cool. Si tu l'as trouvée, je vais, j'arrive. On va la prendre la voiture. Thank you, buddy. Ok, donc elle est bien morte, sa femme. C'est que ça me rappelle ma femme, cette voiture. Parfait. Appuie sur C pour démarrer le moteur. Oula, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. La caméra, elle avait bugué. C. Vroom. Bon, bah, let's go. On lance comment? Ouais. Et donc? Enlever le frein à main, faut... Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, donc le haut de moteur est démarré, mais comment on avance? Compliqué là. Faut une manette? Attendez, il y a les paramètres. Non, y a... là, je suis complètement bloqué. J'ai même pas possibilité d'afficher les menus. Ah! C'est bon. Il y avait deux moteurs allumés? C'est quoi ces conneries? Pardon! Ok, klaxon. Alors, klaxon, frein. Pas trop de klaxon. On peut faire des burns ou pas? Pas vraiment. Non, j'essayais, mais. Non. Bon, arrêtons les bêtises. Le GPS, il dit nimp là. Je passe dans la petite ruelle, là, hein, vraiment? Je pense pas, hein. Oh, c'est quoi ce GPS? En fait, c'est une boussole. Et on comprend rien au GPS. Hein. Bon, je ne vous cache pas que la physique du véhicule, c'est pas non plus la folie. Ah, c'était là. J'arrive, poteau, j'arrive. Mission accomplie. Sors de la voiture et parle à Max. C. V. Non, c'est... Non. Oh, moi, c'était F, je crois. F. C'est bien, je peux allumer 4 fois le moteur. F, attendez, je vais l'éteindre quand même. C'est bon? Ok. En fait, c'est des MP3. Ouais, il y a que des animaux ici. Ça va, toi? Tu dors ou t'es en souffrance? Il doit dormir, hein. Alors, wow, le garage de Zinzin. Non mais où sommes-nous? Dans quel jeu sommes-nous? Regardez, même pour vendre, ça c'est une dinguerie par contre. Tu vends des 4x4 et tu mets comme ça des rochers, c'est vraiment très cool. Hein. Alors par contre c'est chiant, je peux pas courir. Course inactive. Eh hey Max, je suis là. Ça va Max? Hello, partner. Voilà. T'as un problème de texture Max? Ou t'es un cyborg, je sais pas trop. Va regarder oula, vas-y, regarde-le en détail le véhicule. Prête ton paiement, j'irai voir le marchand. Ok. C'est cette merde. Bon, elle est belle, hein, mais qu'est-ce que je fous avec une voiture rose? Acheter, vraiment? Moi, je vais la regarder en détail. Oh là là, qu'est-ce que je ferais pas pour ma femme décédée? Monte dans la voiture. Allez, que ça va faire. Alors... Ok, let's go! Monte dans la voiture de la femme de Beth et amène-la à son garage. C'est quoi, c'est C déjà? Non. On peut pas la démarrer. Ah, elle était démarrée. Bon, celle-là fait pas de bruit. Hein. Allez, go au garage. Il y a de la place encore dans le garage. Par contre, 750 000 dollars la voiture. Alors que sa femme n'est plus de ce monde. C'est du scam là, presque, non? Après, c'est sympa de se souvenir de... Ah, je peux peut-être passer sur la prochaine. Attendez, pas la première, mais la deuxième. On va attendre que la flèche soit vraiment... à fond.
Ah, ok, la rue se termine comme ça. Bon, c'est une petite map a priori. Hop, c'était avant à gauche. Non, il est là l'appart. Regardez cette dinguerie, c'est une maison en fait. Clairement une maison qu'il a. Oh la folie. Ah bah oui, il y a la place puisqu'il n'y a plus la lambeau. Ok. La journée a été longue, va au lit. Déjà. Eh bah ouais, allons au lit. Il est 9h du matin. Ah, je me ferai bien une petite nuit là. Ah, c'est pour cauchemarder encore. Se rappeler encore et encore ce moment. Stolen vehicle recovered. We are arresting the suspect. Ah! Merde! Je crois que c'était un cauchemar. Et 750 000 $ j'ai payé, hein. My job, my fame, my money, it's all gone in an instant. La vida loca, c'est fini. Now, it's time to start over. Ah ouais, par contre, c'est jugé vite fait, hein. Il a prouvé qu'il avait les 750 000 ou... Ça se trouve, c'était de l'argent sale, hein. Ok, donc on est dans l'ambiance. Auto-sale life. Ok, ok, ok. Je sors de prison, du coup. Chargement, d'accord. C'est bon, je suis libéré. Promène-toi. Ah bah non, je suis pas libéré alors. Il faut que je m'évade. Bon, il y a des escaliers, il y a un escalier, il y a un mec en bas torse nu là. Hey man. Eh, mets un t-shirt s'il te plaît, Franck. Je te l'ai déjà dit. T'attends quoi là, torse nu? Bizarre toi, bizarre, bizarre. Hey man. Oui, c'est bon, Franck. Laisse-nous tranquille. Monsieur le gardien, vous pouvez m'ouvrir? Je veux sortir. Non, il veut pas. Franck, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je n'irai pas dans ta cellule. Papier toilette. Je suis pas allé aux toilettes, messieurs. La pause se termine dans 5 minutes. J'ai 5 minutes pour trouver une solution, là. Tiens, laisse-moi passer, s'il te plaît. Non, tu veux pas? Non. On est vraiment... c'est un jeu. En fait, c'est pas Autocell Life. C'est Life Simulator, tout court. Elle me rappelle pas, hein. Non, arrête! Non, je te parle pas. Attendez, il y a un truc là. Oh là, PQ dans les pioles. Oh. Par contre, ils ont fait des trucs très sombres, très graves là, pour être dans des chambres pareilles, non? Je peux pas zoomer là avec les yeux? Non. J'ose même pas regarder les magazines qu'il y a. Bon, on a fait le tour, quoi. Pas grand chose à voir, hein. Je peux rien voler en fait. On voit rien. Allez, fini la pause là. Refermez nos cellules, laissez-nous dedans. Là, je peux pas rentrer. Je le sens là, ça va être avec Franck que ça va se passer. Attendez. Bon, Franck, tu m'emmènes pas dans ta cellule. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Oui, oui, c'est ça, c'est John, je te l'ai déjà dit. Comment ça, tu me connais bien? Franck, tu t'es fait piéger aussi? C'est pas vrai. Ouais, dès que je sors d'ici, je le fume, hein, tu le sais. Hein. Comment ça, c'est stupide? Tu veux te venger? Tu veux faire comment? Ok, dans l'aile droite de la prison, il y a un dossier, il faut que je l'obtienne. D'accord. Ok, donc toi, tu simules une bagarre, un truc comme ça, ou un malaise. Et moi, je m'introduis dans le bureau, c'est ça? Bon, allez, on fait ça. Mais je ne vais pas dans ta cellule. C'est mort. Viens, on va manger. J'espère qu'il y a des cordons bleus, monsieur l'agent. Je passe par la sortie. C'est quoi, aujourd'hui? C'est une blague. On est au zoo, en fait. Je suis un animal. Oh, la folie. Des fruits. I have to get the file before the officer returns to his office. Ok. Temps restant à la fermeture des portes, 87 secondes. Bureau à droite. Bureau à droite. Ça, les gars?
Vas-y Franck, à toi de jouer. Ah, c'est l'autre côté, merde. Franck, distrais-les, Franck. Hop, j'ai rendez-vous avec l'officier. Mais c'est où? C'est où? C'est là-haut. Franck, à toi de jouer. Et il fait quoi, Franck? Oui, bah bien sûr, on va faire Arsène Lupin. Déplacez le crochet en faisant glisser le bouton central de la souris. Ensuite, essaye de tourner le verrou avec la touche flèche droite. Mais vraiment, à chaque fois que tu casses une clé de crochetage, la barre de détection se remplit. La police te mettra le grappin dessus si tu la casses totalement. Pour l'instant, pas d'inquiétude. Si tu essaies de tourner un verrou, mais que tu ne tournes plus, ne force pas. Le crochet va se casser. Tourne le crochet sous un autre angle et trouve celui qui... Ok, j'ai rien compris. Donc on tourne le crochet, et après flèche droite. Flèche droite. Oh, allez, cassé. C'est quoi cette merde? Flèche de droite, comment je sais? Ah, c'est là. Ah, le bâtard. Hop, j'essaie de l'autre côté. Cassé. Pas vrai. Trop dur. Hop, de ce côté-là maintenant. C'est quoi ce truc? Hein? Eh, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Course inactive. Franchement, impossible le truc là. Fallait être embuté ou pas? Peut-être qu'il fallait tester plein de positions sans être embuté. Eh Franck, on refait la même. Ah oh, oui, je te parle, ouais, vas-y. Hop là, ouais. Oui, oui, eh, le mec, il est amnésique, c'est une dinguerie. Va à la cafétéria manger. Ouais, mais bon, on va pas refaire 10 000 fois le repas là. Allez, je parie des pommes, des bananes. Pardon, toi. Pardon, monsieur, pardon. Oh, des pommes, des bananes, c'est incroyable ça. Miam miam! Oh, c'était bien bon! Allez! Franck, à toi de jouer! Ah oui, j'avais cru que t'allais prendre l'escalier, me gêner. Bon, 80 secondes. Faut aller vite là, faut comprendre. Unlock! Attendez, on va relire là. Si tu essaies de tourner un verrou mais qu'il ne tourne plus, ne force pas ou le crochet va se casser. Tourne le crochet sous un autre angle et trouve celui qui te fera complètement tourner le verrou. Ok. Ouais. Ouais, super. Crochet 14, 62 secondes. C'est pas loin là, non? Ok. Ok. Oh là là, l'expert en crocheterie là. Il est là. Prendre. Vas-y, je prends tout là. C'est bon. Allez, rapporter le dossier à Franck. Qu'est-ce qu'il a fait du comme dinguerie lui pour les distraire là? Il est mis à poil? Par contre, on peut pas courir là, c'est un peu long là. Je sais qu'on n'a pas le droit de courir dans la prison, mais quand même. On se fait plaquer au sol des concours. Franck, il a pas bougé, regarde, ouais, super, il les a vachement distraits. Eh, j'aurais pu me faire choper, tu ne les as même pas distraits, Franck. Oui, oui, j'ai le dossier, oui. Qu'est-ce que je fais maintenant, dis-moi. Faut que je vois Tommy, mais je sais même pas qui c'est, Tommy. Il vend du café, ah bah ça va bien m'aider ça. Je vais faire tous les marchands de café de la ville. Allez, je retourne dans ma cellule, je vais dormir. Tu m'as fatigué, Franck. Elle est où ma cellule? Elle est là. Allez, quelques mois plus tard. Franck a pris 10 kilos de muscles.
Il était déjà musclé, hein, rappelez-vous. C'est un mini New York, en fait, la ville. Hein. Ok, petit générique. Auto Games Production. Troll, beau gosse. Je m'apprête à me venger du monde. Et à refaire une nouvelle vie. Je retourne à l'endroit où tout a commencé, ma piole d'étudiant. Je sais pas pourquoi je prends cette voix-là. On dirait la voix des vieilles séries, des vieux épisodes là de MTV. Pimp My Ride et tout ça là. Peut-être pour ça, ça me rappelle ce genre de show là, d'émission. Donc là, on a maintenant un radar, ça c'est pas mal quand même. Hein. Bienvenue à Autosail Life, ici c'est chez toi. Ça fait un peu vieillot, mais il faudra t'en contenter pour le moment. En cas de fatigue, va dans ton lit pour te reposer. Ça, c'est malin, ça. Tu peux effectuer de nombreuses activités dans le jeu. Elles sont essentielles à ton développement. Voici quelques conseils. En dehors de l'achat et de la vente de véhicules, tu peux aussi avoir d'autres activités. La station de lavage, le parking. Tu peux travailler comme conducteur et coursier pour obtenir plus d'argent. Tu peux gagner des avantages en augmentant tes points de compétences. Lorsque tu vends un véhicule, sa propreté et son état affectent ta réputation. Le jeu a aussi des missions principales. Continue de développer ton commerce et tu les débloqueras. Maintenant, continue d'explorer le monde dans Autosail Life. Commençons. Allez. Alors, j'ai un PC qui ne fonctionne pas. Ok, il y a un canapé qui brille. Une porte. Ok, c'est mon lit, ça, vraiment? Ouais. Ah oui. D'accord. Bon, bah là, petite tricycle. Ouais. 38 mètres, c'est l'heure. Ok. Je me casse. Donc ça, c'est mon nouveau magasin. Salut vendeur. 30 000, j'ai 35 000. Affaire conclue, juste en face de chez moi, c'est parfait. J'avais une super vie avant quand même. Hein. Ah, mon nouveau business. Alors. Oui, bah non, on va pas acheter tout de suite des bureaux de luxe. Hein. On va garder ça. Apparence, amélioration de la galerie. Non, c'est... Comment on revient? Retour. Bien sûr que non, moi je vais acheter des bagnoles. C'est où? Pourquoi il me dit là, apparence? Attendez, il y a un tuto. Entrée, allume l'ordinateur, donne un joli nom. Bah voilà, ça. Et on va lire le tuto. Alors, où est-ce qu'on met le nom? Apparence de la galerie, amélioration, design des sièges, non. Le nom. Donc ça va être Power. Alors, attendez, on est en QWERTY là. Non, c'est là. Aïe. 3, ça passe, ouais. Power. Auto. Ah, le M, il est là, ouais. Ah, ça ne passe pas. Power. Cars. Voilà. Changer de nom. Rends-toi au marché automobile via un taxi avec la touche T et tu achètes ton premier véhicule. Taxi ! Marché. Service automobile, c'est pas ça ? Garage. Au driver ? Comment on sait ce que c'est le marché automobile, bordel ? Garage, magasin, c'est dans magasin, je pense. Au driver, ça doit être ça. Non ? Point d'intérêt automobile. Enchère. Attendez, annuler. Au marché automobile, viens un taxi et achète ton premier véhicule. Comment je sais? 213 mètres, repair service, garage à vendre, d'accord. Aucune idée, hein, moi je dirais que c'est ça. Let's go, $25, de toute façon, ça va pas nous ruiner. Commence bien ce petit jeu là, un peu RP, Autosail Life. Ouais. C'est chez quelqu'un là ou quoi? Dinguerie les bureaux. Salut mon pote, t'as un truc à me vendre? Hello, welcome. Mais non, je vais pas être conducteur moi. Oh là là, je vais prendre un taxi. Hein. Garage, c'est chez moi ça. Service auto. Car service. Welcome, ma galerie. Pizza, magasin de vêtements. Eh, on comprend rien. Station de lavage, ma galerie. Ça c'est moi ça. Non?
Garage, non, ça c'est mon garage. Horaire. Est-ce que c'est mon garage ça? Eh, 25$, allez, allez. Je vais retourner à mon garage, c'est sûr. Ah non. D'accord. Les vendeurs, chacun à côté de son véhicule. C'est moche ça, hein. C'est pas beau, hein. Attendez. Mais une petite voiture française, là. Petite Mégane RS. Oh, elle a eu un accident ou... Tu la vends combien? Hello, welcome. 14 000. Vas-y, salut. Salut, madame. Retour. 14 000. Attendez, c'est incroyable qu'il y ait de la Mégane. Carrément de la collab. C'est de la Golf 1, c'est quoi, ça? Dans mes prix, ça. Madame, 2 000 $, je vous la prends. 2 400, ouais, c'est un peu cher. Hein. Un peu cher, on peut pas. Ah, je croyais qu'on pouvait changer. Il te faut plus d'expérience. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, ma soeur? Négocier. Pas assez de points de compétence. Ah, vas-y, je te l'achète, c'est bon. Daria, t'es contente? Allez, laisse-moi partir avec. Je vais aller vendre ma première voiture. Voilà. Elle est dégueulasse, la couleur. Hein. Comment ça, Alpha? Non, non, mais pas Alpha. Allez, on allume le moteur. Oh, elle tourne mal en plus, hein. Le moteur, on l'entend. Hein. C'est où le lavage? Je vais laver la voiture, là, non? Oh, elle est où? Repair service. Allez, on va aller voir ça. Bah oui, voiture sale, on avait vu, bien sûr. En plus, il y a des frais de réparation, vraiment, là. Entends une station de service pour réparer ou tuner la voiture. Ah bon, on va la tuner direct. Tuning instantané. Il me reste 2 000 $. Wow, elle tourne. Quoi? J'ai cassé la voiture? Eh, vous n'avez rien vu. Aïe. Mais comment il tourne lui aussi là? Bon, ok, il a priorité à droite, mais quand même. Eh, elle tourne bizarrement, je vous assure que c'est impossible à conduire par rapport aux autres voitures que j'ai testées avant. Alors, service, tuning. Bah déjà service, hein. Éteins le moteur, quitte la voiture et va parler à l'employé. Alors, tout ça. Salut! J'ai besoin que tu t'occupes de ma bagnole, là. Est-ce que tu peux réparer déjà le moteur? Ouais, c'est bon. Parce qu'elle fait un saleté de bruit, là. Je l'ai un peu cartonné aussi. Et si tu peux faire les pneus, la transmission, ce serait cool. C'est bon? Rien à signaler, elle passe le contrôle. Parfait, mon grand. Par contre, t'aurais pu me la laver quand même. Hein. Hop. Est-ce que dans tuning, on peut la laver? Salut, ça va? Qu'est-ce que tu proposes comme service, toi? Petite peinture? C'est combien? 500? Il me reste 1002. Petite peinture? Non. Un stage? Eh ouais, il y a des stages. Hein. Petit stage 3, là. Ouais, c'est trop cher, 4500, ouais, bien sûr. Puissance de frein, non, pas sur celle-ci. Quoi, la plaque? Ouais, pas mal. Plaque d'IMAT. Ça avait... À 250? Non, pas du tout, je laisse la plaque sur cette voiture. Quoi d'autre? Ouais, bah oui, du NOS direct, quoi. Eh, mec, je t'ai pimpé ta caisse, regarde, je t'ai mis un aileron dessus. Non, on va mettre... Ça là, c'est la voiture de Rocket League quoi. 2000, non mais c'est mort, y a rien de pimpé là, je pimpe rien du tout, désolé, trop cher, au moins on a vu ce que c'était. Eh, je vais vous avouer un truc là, je vais le kiffer ce petit jeu. Allez, je mets la clé sur le contact, par contre je veux bien la laver. Hein. Carloche, il est où là? Il est où le Carloche? Là-bas, il y a une station, non? Ouais, il y a un car wash, regardez, on le voit au fond. C'est quoi qui est lock? Ah non! Comment ça fermé? Ah, c'est un parking, d'accord. Car wash. My home. Oh non! Oh, le boulet! Non, mais là, sérieusement, je suis un neuneu.
Putain, faut que je retourne là-bas. Ouais, je sais ce que vous allez me dire. $30, allez, on la lave. Ok, petits allers-retours sur le côté. Jet d'eau au-dessus, triple jet, triple buse. C'est moi la triple buse plutôt, mais allez, on remet le moteur, on y va. Voiture endommagée, bah oui, bah oui. En même temps, les piliers ici, ils blaguent pas. Hein. Ça va me coûter combien encore cette histoire? Je sais même pas où est le klaxon. Ok, il y a les lights déjà. Eh, faut que je fasse attention là. Je peux lui parler direct? Ouais, ça éteint le moteur, c'est ça. Franchement, appuyer sur 12 000 touches pour éteindre le moteur. $160, vas-y, c'est bon, c'est bon. Toujours de ma faute, toujours de ma faute. Pourquoi j'ai encore le menu de la station service là? Ah merde, je fais exit. Oh le boulet, j'espère que ça reprend bien. Il va continuer, j'espère. J'ai pas sauvegardé là. Ce serait fou. Attendez, on va relancer. Soyons patients. Chargé. Non, sérieux, le jeu là? Non! Oh là là. Bon, écoutez, ce que je fais, c'est que je reviens à ce niveau-là et on reprend l'épisode quand j'en suis là. Je refais la même chose et on se reprend. Ok, du coup, j'ai repris un véhicule. Alors, les véhicules ont changé quand je suis arrivé au garage. Donc, j'ai pris le seul véhicule qui était dans les 2000$. C'est pas tout à fait le même. Je suis allé le réparer et là, je viens de faire le lavage auto. Donc, on est exactement au même niveau. La seule différence, c'est que là, il y avait des dégâts à l'intérieur. Donc, j'ai dû faire une réparation aussi de l'intérieur. Donc, ça m'a coûté un prix un peu différent. Faut la mettre à la galerie. La galerie, elle est où? Ma galerie, c'est juste à côté. Et du coup, on est à peu près, il me reste à peu près la même somme d'argent, $1500. Voilà. Donc ça nous a permis finalement ce problème d'enregistrement là. De comment je fais? Amène la galerie et mets-la en vente via l'ordinateur. Ok. Sortez du véhicule. Alors, attendez, je la mets en évidence. J'ai failli la cartonner, je pense. On va la mettre là, comme ça. Et c'est chaud hein, à conduire vraiment. Hop là, c'est bon. Est-ce que je peux faire une sauvegarde? Save. Par contre, c'est incroyable qu'il n'y ait pas... Ouais, là, c'est bon. Qu'il n'y ait pas d'alerte hein, quand je fais sortir la exit. Pam, tout de suite, ça sort. Par contre, il y avait une alerte. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit d'ailleurs. Quand j'ai relancé la game, j'ai passé la cinématique où il y avait le mariage, enfin le cauchemar. Ça m'a fait passer toute la partie prison. Donc finalement, c'est pas si mal parce que je suis directement arrivé dans mon premier appart là, un peu miteux, où je suis allé juste acheter le garage, un véhicule, et j'en suis là. Donc ça m'a pris 5 minutes à refaire. Donc ça, c'est cool. Même si honnêtement, c'est rédhibitoire pour moi, un jeu qui ne te propose pas l'autosave ou qui ne t'alerte pas quand tu fais pas de sauvegarde avant de quitter. Moi, c'est un jeu où j'ai pas forcément envie de jouer. Mais bon, j'espère qu'il est en early access. Ils vont corriger ça, faire un patch rapidement. Vente libre. Prix de la voiture. Prix à l'achat. Ouvrez vos talents pour voir si le prix... 3999. Confirmez l'offre. Ah, bien sûr, hein. C'est $4000. C'est pas en dessous. Hein. C'est un PC mais avec macOS. Il ressemble pas à un Mac. Hein. Allez, venez acheter. Hé, hey, petit panneau. Bon, par contre, la virgule, elle n'existe pas, mais c'est pas grave. Alors, il y a des constantes. Donc, l'énergie, ça va. Le sommeil, ça va. La nourriture, ça va. Tu viens acheter la voiture, j'espère, toi? Il y a le mini-market ici, on peut mettre du carburant. Ah, il y a un carwash derrière, mais ce sera à moi de l'acheter. En tout cas, c'est des business, le parking et le carwash complémentaire. Hein. Vous vous souvenez? Ouais, il vient. Allez. Elle est super, en parfait état. Tout l'entretien est fait. Il n'y a rien à reprocher à ce véhicule. Et regardez le prix, c'est correct. Hein. C'est très correct. Est-ce que ça vous intéresse, monsieur? Est-ce qu'on fait affaire? 3892. Ça marche. Deal. Merci pour cette vente. Parfait. Il est temps de prendre un taxi, d'aller chercher tout de suite un nouveau véhicule. Cette fois-ci, j'ai combien? Je deviens parano. Je vais refaire une save. Parce que là, si je fais sortir au lieu de save, c'est finito. Alors, j'ai
Wow. J'ai pas regardé avant de traverser. Regardez celle-là. Oh, les petits bijoux. Hein? Ah non! Il est 19h. Mettre ça, non? Musique, QHQ. Compétence I, c'est quoi ça? Ah, il y a tous les menus, ok. Retour. Utilisez vos points de compétence I. Juste prix. Ok. D'accord? Non. Récupération, pro des ventes. Vision d'expert, compétence de marchand, service de dépanneur, comptable. Pourquoi encore? On va aller à fond? Ouais, peut-être. 4 points. Ok. Retour. 19h, ça ferme, je pense. Achète de la nature au marché, à côté de la galerie. Ah, j'ai pas pris... j'aurais dû suivre le tuto, j'ai voulu prendre le taxi. Vous avez vu les véhicules, ils ont unspawn direct. Hein. Garage, ma galerie. Donc la petite supérette à côté, là. Où on a fait le lavage auto. Ah, j'ai perdu 50$ dans l'histoire, mais c'est pas grave. J'ai le droit de courir? Ouais, je peux courir. Très bien, ça. Ça glisse, attention, sol glissant, arrête de courir. Bonjour! Alors, je vais vous acheter une soupe, de la pomme, un hot dog, des sushis. Waouh, cher les sushis. Pizza, non, c'est trop cher pour moi. Une part de gâteau. Et on est bon. Achète et vend deux voitures sur le marché automobile. D'accord. Comment on mange la nourriture? Là. Non, ça c'est la musique. Comment on accède à l'inventaire? Taxi, T, carte, M. Ouais. Ok, la map elle est rectangulaire, hein, purée. D'accord, et ensuite, compétence, mon sac c'est B. Manger, la soupe ça fait 10. Ah ouais, d'accord, bon, on la fait pas cuire. Hein. Petite soupe froide. Garage avant, ok, allez, cette fois-ci je peux retourner au garage ou pas? Je pense que c'était pour le tuto, j'espère. Ah non, 8h-19h, c'est écrit dessus, mais c'est écrit dessus. Je repère 50$, allez, let's go. 100$ de perdu, vraiment, là? J'ai presque envie de dormir là jusqu'à... Ah ouais, bah là, il est fermé, là. J'ai 50 de sommeil, non. J'ai pas envie de payer un taxi, j'ai la flemme. Je suis loin de la maison. Garage. Il est où, là? Ah. Ma galerie, chez moi. Un peu, hein. Vas-y, tant pis, hein, je vais reperdre des sous, mais... Que là, en fait, ça va me coûter encore 100, 200... Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas grave, allez. C'est pas grave, ma maison. Ma galerie, station de lavage, parking. Ancien logement, c'est ça? Non. Go. Ancien logement. Chez moi, ça? Je vais à la galerie pour être sûr. Ça s'appelle ancien logement? Ouais, parce qu'il a dit retour à la case départ, donc c'est peut-être le nom du logement. Ah ouais, c'est ça. My home. Ah, qu'il a une gueule. Par contre, il se prend que des maisons, lui. Hein. Il est hors de question qu'il dorme. Je peux pas dormir. Ah, si. Combien de temps tu dors? Il était quelle heure? Attends, excuse-moi là. 23h. 8h. Ah, allez, 9h. Bonne petite nuit de sommeil. Faut prendre une douche aussi ou pas? Pourquoi il charge là? Ok. 8h16. Acheter vente de voiture. Ok. Une sortie devant, une sortie derrière. Oh, l'état des chiottes. Waouh. Waouh. Ah ouais, c'est... Ça craint, là. Allez, taxi. Taxi, 8h40. Partez, c'est 8h. Ah, c'était 8h. J'aurais pu me lever plus tôt. J'aurais pu me lever plus tôt. Je crois que c'était 9h-19h. C'est 8h-19h. Donc là, il y a des voitures. À nouveau. Cette fois-ci, je regarde avant de traverser. Oh, la tronche de la voiture, là. Ah bah tiens, deux fois la même. Celle-là, peut-être. Salut, j'ai 4009, tu me proposes combien? 25 000, non mais vas-y, garde-la ta voiture. Ouais, bon, toi, je ne te parlerai même pas. Bon, bah, j'ai compris. Hello, welcome. Allez, super. Acheter. Okay, deal. Ouais, super. Je suis ravi de cette acquisition. Allez.
pourquoi il y a un petit renard là, ou je sais pas quoi là, un loup. Voiture endommagée, c'est pas vrai. Elle a couleur par contre. Oula. Vous avez vu, je deviens pilote. Je deviens pilote, mais faut que j'aille. C'est où déjà? C'est pas là-bas? Attendez, attendez. Map. Je suis où là? Je suis là. Au driver. C'est ça, non? Premium Garage. Non, c'est là. Comment on met une balise? Clic droit. Ok. On peut pas mettre une balise sur un lieu? Quoi ces conneries? On va l'enlever la balise? Qu'est-ce que c'est que ça? Pas grave, on va enlever la map. Hop là. Il y a un petit point d'exclamation là-bas, ça veut dire quoi? Faut pas que je cartonne, faut pas que je cartonne. Mais sérieux! Oh là là! C'est impossible à conduire. Bon, il me fait passer dans toutes les petites rues aussi là. Au driver, ah ça c'est le truc de pilotage là. Premium Garage, est-ce que c'est mieux ça? Fallait acheter les voitures là, non? Attendez, ça se trouve j'ai fait une connerie. Il y avait écrit quoi? Acheter deux voitures sur le marché automobile. Fermé. Fermez le truc, attendez, je vais aller voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Toujours des chiens ici. Bonjour messieurs, je peux rentrer? Laissez-moi rentrer là. Non, j'ai pas le droit. Il y a quoi en fait dedans? Il y a des gens là, c'est fermé, mais il y a des gens, c'est le salon d'automobile quoi. Ah, repair service, il est là-bas. Waouh, je fais n'importe quoi. Je l'ai bien cassé ou pas? On voit pas les dégâts. Ça va, c'est pas grand-chose. C'est 100$ de plus, allez. Ouais, un petit loup, un renard. Ah, il faut que je démarre à chaque fois le moteur. Ah, elle a calé. Bon. Ouh, le petit bruit. Par contre, les rues, elles sont étroites. Hein. On est obligé de monter sur les trottoirs, là, c'est pas possible. La direction, je vous assure, c'est un enfer. Ah, je le sens, je vais cartonner encore. Oui, bah on prend les routes qu'on peut. Hein. Quel feuille vert pour lui. Mais il passe pas, donc j'y vais. Go au repair service. Pas de clignotant. Il a tourné comme ça. Très bien. Regardez comment elle tourne. Elle fait du sous-virage, là, la automobile. On y est. Regardez cette arrivée incroyable. On est bon. Hop, est-ce que tu peux me réparer ça, s'il te plaît, Pedro? Je sais pas comment il s'appelle, mais on va l'appeler Pedro. Ah oui, là, c'est sombre, là. C'est rouge, là. 500. Ah là là. Ah, il y avait marqué les réparations pour tout faire d'un coup, par un. J'avais pas vu. Bon, celle-là, on va la vendre cher. Je la vends 6000 celle-là. Merci mon gars. Et là, boum, carton. Oh là là. Vous l'avez vu comme moi, je pense, le poteau. Vous l'avez clairement vu comme moi. My home, my gallery. Let's go. Je m'attendais pas à ça comme type de jeu en fait, moi je trouve ça très très plaisant à jouer, hein. Honnêtement. Même si voilà, on le voit bien, c'est un jeu en early access, pas lui en demander de trop, mais... Mais c'est pas mal du tout à jouer. En tout cas, je suis surpris de me trouver ça amusant en fait. C'est tout bête, mais ce petit rôle là, regardez, je m'amuse même à les placer comme il faut pour qu'on les voit de la route sans... J'ai failli cartonner... Voilà. Allez, on va la mettre en vente. Voiture disponible. On a notre petit renard. Vente libre.
Attendez, disais quoi? Prix de la voiture 4100. Haché 2009. Ah, je peux pas la vendre 6000. Hein. 4499. Confirmer l'offre. Prix, pardon, c'était là. Oh là là. Quoi, je change des quoi, du coup? Description. Voiture. Remise. Ah ouais, c'est du QWERTY. En état. Là, je peux pas faire l'accent. Avec le cœur. Voilà. Ça, si avec ça, ils sont pas sensibles à ma proposition. Quoi ça? Compétition? Compétition? Ah ouais! Prends des captures d'écran de ta voiture modifiée, partage-la dans la section communauté. L'équipe de développeurs d'AutoSale enverra une boîte cadeau surprise aux 3 joueurs du plus grand nombre de likes. C'est incroyable! Ils ont mis une compétition de voiture dans le jeu. Incroyable! J'aurais peut-être dû mettre l'aileron alors sur la petite voiture tout à l'heure. Parfait, mais j'ai plus de sous là. 1100. Est-ce qu'il y a un acheteur potentiel qui va arriver? Ouais, il y en a un. On va lui vendre la voiture. Emploi, il y a des petits boulots là, regardez. Il est driver aussi, ça peut être marrant à tester. Driver et courrier. Non, coursier en fait, plutôt. J comme job. Salut! Tu cherches une voiture pour aller à l'université? J'ai celle qu'il te faut. Est-ce que tu as vu cette dinguerie? Tu veux la payer 4300? Bah allez. Okay. Ça marche. Deal. Ah, mais il est parti direct. Je pense que c'est le meilleur concessionnaire de la ville. On y fait d'excellentes affaires. Bien sûr que je suis le meilleur concessionnaire de la ville. Regardez ça. Power Cars. Meilleure concession de toute la ville. Même de tout l'État. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là sur ce premier épisode consacré à la découverte du gameplay du jeu AutoCell Life. On en refera d'autres parce que franchement, je m'éclate. Je vais pas vous cacher que ça fait longtemps que je m'étais pas éclaté comme ça sur une petite simulation en Early Access. Très très cool. Donc n'hésite pas à mettre ton petit pouce en l'air si t'as aimé aussi cette vidéo et ce jeu. Ça me donne énormément de force sur YouTube, donc merci à toi. Tu peux me laisser un commentaire aussi si tu le souhaites, c'est toujours un plaisir de te lire et de te répondre. Donne-moi ton avis sur le jeu, donne-moi ton avis sur le type de contenu que je propose sur la chaîne Power. Et en parlant de chaîne Power, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, comme ça tu ne rateras pas les prochains épisodes de Power Gameplay consacrés à ce jeu, AutoCell Life, ou à d'autres jeux. A très bientôt pour un prochain épisode de Power Gameplay. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !